Coucou tout le monde et surtout nos amis euh, et mes amis, surtout euh, spirituels du Capricorne. Et oui, alors les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Donc j'ai commencé le mois dernier avec votre signe, je termine ce mois-ci par votre signe. Et donc, euh, sous des belles énergies, parce qu'aujourd'hui, on est quand même euh, sur l'énergétique du, euh, du début du mois de février. Il euh, y a eu l'effet euh, de la, de la candler, des chandelles, la fête des lumières, dans la célébration de la lumière. Il euh, y a aussi euh, ces mois de février euh, qui est sous le signe des junions. Le chiffre 2 nous parle des unions, la papesse nous parle d'amour. peut nous parler de secret aussi, mais elle nous parle d'amour quand même, la papesse. Donc euh, c'est un mois d'amour. Je ne parle pas de la Saint-Valentin, il y a la Saint-Valentin, mais c'est ce chiffre-là. C'est aussi euh, ce mois de février, c'est le début du printemps hein, chez le calendrier celte. C'est pour ça qu'on a associé la, la, chande, la, la candeleur en, en fêté, en fêté euh, chez les celtes, euh, la fête d'Inbolk. Je ferai peut-être un message sur euh, Inbolk euh, début de semaine prochaine, pourquoi pas euh, parce que euh, voilà, que ce soit pas forcément forcément lié aux deux, et pour ceux qui s'intéressent à cela, euh, aux traditions ancestrales. Euh, donc on est sous cette cette énergétique là. Et donc on a l'énergie aussi aujourd'hui précisément au je fais votre tirage du phénix, parce que j'ai tiré cette carte, euh, le phénix et le pan qui porte bonheur en fait. Euh, voilà, les plumes de pain portent bonheur et puis euh, elles parlent de plein d'autres choses. Donc euh, les cartes sont sur la table, il y a la force, il y a l'idée, il y a l'union, c'est les tirages que j'ai fait sur le message sentimental que je vous invite à regarder, le dernier que j'ai mis en ligne. Euh, qui nous parlait de, de, de porte-bonheur. Donc, il euh, y a l'idée de porter chance à quelqu'un aussi et de lui apprendre euh, à aimer, à s'aimer, à, à guérir. Et puis, euh, voilà. Et puis, euh, avec de l'humour aussi, qui, nous, qui lui apprend aussi l'humour en fait. Euh, donc il cette énergétique-là sur la table qui, euh, voilà, donc après collectivement on est plus sur la... la, la impacté par les températures de février, euh, le printemps, les oiseaux qui se retrouvent, il euh, y a des réunions qui se font. Ok euh, Donc, on va voir votre message. Euh, ce message, il s'adresse donc au Capricorne, en ascendant solaire, lunaire, vénusien, descendant et aussi, euh, oubliez de quoi, le descendant, et l'ascendant. Euh, bien entendu, vous pouvez donc étudier votre thème à, astral. Euh, regardez les autres messages, parce que si on a la planète Vénus en Sagittaire, c'est pas pareil que si on a en Cancer c'est pas pareil que si on l'a en lion Si on a la Lune en Scorpion, c'est pas pareil que si on l'a en Taureau et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est intéressant dans, dans cette énergétique là parce qu'on apprend plein de choses. Je vous rappelle qu'elle reste une guidance d'ordre général et que c'est bien aussi d'avoir des entrées en psychologie, en psychologie clinicienne, de travail social, euh, cognitive, voilà, parce que ça nous permet de plus on va avoir et de toutes les traditions et de toutes les religions, parce que plus on va ouvrir les livres et apprendre des uns et des autres, et plus on va pouvoir travailler sur notre propre développement personnel. Voilà pour la petite introduction. Je vous souhaite quoi qu'il en soit un merveilleux mois de février sous ces énergétiques-là. Euh, L'énergie d'amour euh, que j'essaie de vous transmettre à, au quotidien sur la chaîne. En espérant que ça vous plaise, bien sûr. Euh, allez, on va regarder pour nos amis Capricorne le message. On a l'ouverture justement on parlait d'ouverture d'esprit des cinq continents s'ouvrir au monde s'ouvrir aux autres il euh, y a l'idée de hein, on rentre dans le printemps le printemps on, on fait un grand ménage aussi euh, c'est c'est de nettoyer l'énergétique parce que c'est commencé à être la fin de l'hiver euh, s'ouvrir à l'amour et au non jugement transforme tout donc, il y a l'idée de ne pas juger, euh, d'arriver à garder cette ouverture d'esprit pour favoriser des nouvelles rencontres. Parce que lorsqu'on a eu des déceptions sentimentales, on a le cœur qui se referme. Mais il faut arriver à garder son cœur ouvert, euh, pardonner euh, dans les lumière du monde. C'est pour ça qu'il faut faire un travail avec... Euh, pour euh, libérer euh, l'énergie, c'est une entrée, euh, la cartomancie, c'est une autre, euh, les guidances permettent de verbaliser euh, les blessures de notre passé, euh, la psychologie aussi. Il y a d'ailleurs plein de psychologues qui s'intéressent à la tarologie. Euh, je remercie ces gens-là, en fait, qui sont très ouverts d'esprit, euh, parce qu'on est au 21e siècle. Et donc, il y a. Il y, a, il y a tout cela, l'ouverture pour s'ouvrir à l'amour. Donc il y a, a peut-être aussi quelqu'un qui s'ouvre à l'amour pour la première fois aussi, parce qu'on n'aime pas de la même manière à 5 ans qu'à euh, ben 7 ans et qu'à 14 ans et qu'à 21 ans et ainsi de suite. Donc l'amour, c'est aussi le chiffre 2, c'est l'effet miroir dans, la, dans le partenariat. Donc non-jugement, non, ça peut s'appliquer évidemment dans le cadre du travail. Peut-être vous n'êtes pas satisfait de de l'emploi où vous êtes à l'heure actuelle, on vous dit, bon, prenez, essayez de vous trouver un autre partenariat, en fait. Donc, on peut se faire accompagner. Il y a l'idée de la marguerite, vous voyez, on a l'idée de, de, de cette fleur euh, qui, qui s'ouvre là euh, de nouveau. Euh, les fleurs poussent au début du mois de février, les edelweiss, les fleurs euh, des, dans les montagnes. Et c'est pour cela que les anciens disaient que c'était début du printemps, parce que c'était les premières fleurs. Bon, je le répéterai l'année prochaine, mais voilà, donc je suis quand même sur ces énergies, je le prends en compte. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc lorsqu'on est dans des pensées négatives, ben, ça prend racine en nous euh, lorsqu'on lorsqu a été marqué bien entendu par des, par des blessures extérieures, des souffrances extérieures on a été marqué euh, dans nos racines ben, les racines du mal qu'on nous a transmis, des violences, des agressions des, des choses difficiles qu'on a pu vivre dans son enfance, à son adolescence et donc du coup donc, Tifa, ça, va nous, ça, va nous, ça va nous fermer un peu la porte à l'amour euh, donc à l'amour de soi, évidemment l'estime de soi, l'amour de soi donc pour ça que c'est important de libérer Parle des soins, hein, prendre soin de soi pour, pour s'ouvrir de nouveau à la vie, à l'amour, euh, voilà. Et ne pas s'enfermer justement aussi à être dans, un, dans une catégorisation de liens, les, les sacrés, les âmes jumelles, les âmes sœurs, les machins. Non, euh, rester ouvert dans le cœur pour attirer l'amour et la joie. Euh, ce qui n'est pas simple, je vous l'accorde, parce qu'on bah, a tous des moments où on a des deuils, euh, des choses difficiles, euh, c'est pas simple, euh, il ne nous arrive pas forcément que des choses positives. Hein, donc euh, j'ai bien conscience que c'est tout un travail que l'on fait jusqu'à la fin de ce jour d'ailleurs parce, euh, parce que voilà, c'est comme ça. Hein, on a, à chaque période on vit des choses, euh, on voit perdre des amis, ce genre de choses. Donc bon. Alors, ce n'est pas simple. Le rythme des saisons, à l'écoute de la saison, encore elle est revenue. J'ai mélangé, euh, elle est revenue quatre ou cinq fois selon tous les tirages. Euh, regardez les autres. Renouer avec les six de nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Dans ce que je vous parlais, on est dans le début du printemps. Euh, les températures montent, les fleurs poussent, euh, c'est comme ça, c'est au rythme des saisons. Nous, notre calendrier, on l'a adapté plutôt à un calendrier qui est plus, on va dire, de l'ordre ben, du calendrier scolaire, des finances, du travail, ce genre de choses pour couturer les comptes. Mais il y a un truc comme ça, mais dans le vrai calendrier, on est dans ça. On est au rythme des saisons. Il y a d'ailleurs une pleine lune en lion qui arrive. C'est au rythme de la saison. Elle a une signification. Elle, est, elle va être très intense, cette pleine lune. Et elle va impacter. Donc ça peut, euh, ça peut impacter les capricornes aussi, mais qui sont ouverts à l'énergétique du lion. Quoi. Ouverts à l'énergétique du Verseau. Ouverts aux autres. Je le redis, vous n'êtes pas qu'un signe. Il faut apprendre des, des uns et des autres. Donc apprenez les signes. Euh, voilà, ça c'est intéressant. Euh, c'est comme ça qu'il faut apprendre l'horoscope. C'est pas faire de la divination. C'est connaître en fait les rythmes des saisons. C'est lire l'énergétique. C'est ce, au gré. C'est comprendre le monde. C'est comprendre les autres. Qu'à partir de là, vous pouvez appliquer dans la matière, rentrer en action et créer des choses positives dans votre vie. Ici et maintenant, on nous dit en équilibre, justice. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix. Et une merveilleuse créativité. Même quand vous faites à manger, même quand vous faites. Euh, voilà. Euh, les choses simples, le ménage, c'est ici et maintenant. Le passé, il faut s'en libérer, il faut le pardonner, il faut y mettre de l'amour, ce passé, surtout quand il a été extrêmement difficile. Pour soi-même, déjà, je ne parle pas pour les autres, pour soi-même, pour se libérer, pour se pardonner, pour. Euh, voilà, soi-même. Et donc, pour tendre vers le meilleur. Alors aujourd'hui aujourd j'avais envie d'utiliser euh, les oracles euh, de la euh, tarot et ég l'oracle égyptien. Euh, donc on est dans ça, donc il y a l'idée euh, Le passé c'est doit être un phare, euh, on doit en tirer des leçons, euh, on doit résilier des souffrances, euh, on, a, on a des souffrances de notre passé euh, et, et qui nous dirigent. Euh, il y a l'idée de se réconcilier aussi avec ce passé, avec le 44, parce que le 4 nous renvoie à la matière, donc au corps, aux racines, euh, donc euh, aux racines des arbres. Euh, le 4, c'est le carré, c'est la matière. Euh, le triangle, je le redis, c'est le céleste. Donc il y a l'idée d'être en paix avec euh, voilà, notre famille, ce genre de choses qui n'est pas simple. On va voir euh, le tirage, comment il évolue. On a protection. Bon, très bien, il y a une forme de... qu'on retrouve l'énergie de... Hein, de euh, là, c'est neckbet. Euh, donc elle a un corps de vautour. Mais en fait, on pourrait penser que c'est un corps d'aigle, quelque chose de choses. Mais associé au violet, c'est beaucoup. C'est de la spiritualité. Il a peut-être besoin de protection par rapport à un environnement aussi, par rapport à un cadre d'emploi, par rapport à une cellule familiale. Il a besoin de se protéger aussi. Donc ça, il faut faire des prières. Ça ça s'apprend justement avec les origines sur les chakras. Travailler avec les chakras, les méditations et les prières et l'amour, l'énergie de l'amour, ça permet de se mettre en protection aussi. Il y a peut-être des gens qui se sentent agressés par leur environnement, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels. Et familial, bien entendu. Euh, le temple de la guérison. Donc il y, a quelque chose à, il y a quelque chose à guérir. Il y a une blessure sur le chakra sacré. Euh, donc c'est tout, 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 tout ce qui va toucher les organes, l'intestin, le foie, le, le pancréas. Bien euh, sûr, les organes génitaux et ce genre de choses. Euh, il y a peut-être l'idée de protéger son racine, justement, parce qu'il y a une perte d'énergie vitale. Donc il y a un travail de guérison à faire. 17, c'est euh, il, il il, destiné. Peut-être que vous avez une blessure en ce moment euh, qui est là pour vous dire, bon, il est temps de prendre soin de toi. 17 et 8, 25, ça nous ferait quand même euh, une prise de conscience à ce niveau-là. Euh, il y a de la fatigue, euh, il y a un épuisement. Et on vous dit, alchimie, guérison. Donc il y a bien à guérir le plexus solaire. Donc la confiance en soi, de notre héritage, parce que la confiance, elle vient en nous. Si on nous l'a pas transmis, qu'on nous a fait que nous rabouer en étant petit, et malheureusement, il y a beaucoup de parents qui font ça, qui maltraitent psychologiquement leurs enfants. Eh bien, on n'a pas la confiance. Donc le chakra, il, est, il, faut, il faut le guérir. Il faut y mettre de l'amour. Et on parle bien du 4 ici, de se passer. Donc il y a l'idée de se réconcilier avec soi-même. Ça ne peut venir que par vous-même. Et par un accompagnement. Le 4, c'est la totalité, c'est les quatre directions, c'est les quatre éléments. Et ça peut être quatre façons de se guérir. La psychologie en une, la médecine, euh, voilà, la psychiatrie des fois, euh, les, médicaments, les médicaments, la médecine, la psychologie, les soins énergétiques, les guidances. Il voilà. faut avoir une approche pluridisciplinaire. Voilà. Être, on est au 21e siècle, il faut être ouvert d'esprit. Euh, L'un euh, n'est pas opposable à l'autre. Je rappelle qu'il y a des soins de Reiki qui se mettent de plus en plus en place à l'hôpital, que le diplôme d'état de l'acupuncture a été reconnu. Après des années, euh, donc, euh, s'ouvrir à des médecines alternatives, que dans plein de pays, en fait, il y a des guérisseuses et des énergéticiennes qui sont là. En Suisse, notamment, il y a des opérations à cœur ouvert avec des, éner des énergéticiennes et les médecins disent, ça marche mieux quand c'est comme ça. Euh, il y a l'optomie, il y a l'hypnose, des opérations sous hypnose qui se mettent en place. On voit des choses formidables. Il faut se saisir de toutes ces, euh, ces perles euh, pour se soigner. Hein et la lithothérapie fait partie de ce genre de choses aussi. Euh, voilà, euh, il y a plein de choses. Donc 4 et 15, 19, on fait la lumière. Il y a l'idée de faire la lumière sur cela. Euh, donc il y a l'idée aussi, euh, vous êtes peut-être On parle de métiers de, en lien avec la guérison, hein, la médecine, hein, j'en parle beaucoup Psychologue. peut-être qu'il y a beaucoup de, de psy, personnes qui, euh, qui sont dans ces métiers-là, qui ont besoin aussi de penser à eux. Parce que euh, euh, être aidé, être aidant, c'est aussi savoir être aidé. Et on a tendance à l'oublier. Quand on est dans ces justices cosmiques, union, deux, réunion, deux, 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 six, il y a l'idée de récolter quelque chose. Alors, ça peut être bien entendu les métiers en lien administration, euh, euh, la justice, les métiers euh, fonctionnariat, les, co les commerces, et à la balance. Donc il y a l'idée de, de récolter une protection hein, euh, guidée par les étoiles. Il y a l'idée du 17 qui revient il y a l'idée d'un timing. Il y a l'idée de mettre fin à quelque chose après un cycle. Euh, peut-être ça peut être vous êtes au tribunal aussi, euh, une, une séparation, euh, une rupture de contrat. Euh, voilà, vous bataillez peut-être un peu pour euh, retrouver un peu euh, de protection et vous avez besoin de magie. La magie, c'est les Égyptiens, c'est des sciences dans la magie il y a les plantes il y a la lithothérapie il y a la psychologie il y a euh, les religions il y a six voilà la magie c'est pas de la magie ce sont des sciences qui cumulées font que le magicien en fait le magicien il ouvre le livre et il a accès à plein de choses comme un druide c'est personne qui a beaucoup de connaissances et donc à l'idée d'être accompagné à cette renaissance parce que il y a l'idée d'un jugement mais de guérir, en fait, parce que cette carte, cette quête, elle parle de, de guérison. On parle de guérison et cette quête, elle est verte. On nous parle bien d'énergie de guérison sur le chakra de la gorge. Il y a des communications qui doivent euh, changer, il y a des prises de décision. Il y a des choses, le 2 nous renvoie aussi à des prises, de, à des jugements. Il y a peut-être eu des jugements sévères. Vous avez peut-être vécu des jugements sévères. Et il y a l'idée de, de, de faire des choix. La sagesse est silencieuse, donc peut-être que vous vous êtes un peu dans votre temps. vous ne dites rien, vous méditez pour prendre cette décision, ce nouveau choix, ce nouveau départ, ce changement, cette justice, que vous vous rendez. Parce que la justice, des fois, il faut se la rendre par soi-même. La vengeance, je tiens à rappeler que c'est, veut dire, vendicaré. Vendicaré, ça veut dire vengeance. C'est rendre justice. Donc on va au tribunal pour rendre justice. La vengeance, à la base, ce n'est pas pour faire du mal aux autres, c'est pour rendre justice. Donc, il ne faut pas confondre les mots. Euh, on a peur de certains mots. Et la vengeance, des fois, on se rend justice par soi-même. Je ne dis pas qu'il faut tuer quelqu'un et compagnie. On se rend justice parce qu'on se libère, parce qu'on fait des choix, parce qu'on prend des décisions, parce qu'en en fait, on se dit, c'est pas juste tel. Ce que je vis là n'est pas juste, donc euh, je ne vais pas me battre non plus. Euh, bon, c'est défendre ses droits, mais bien entendu. Il y a des règles au travail. Il y a l'idée. Mais parfois, il faut prendre un temps pour trouver la bonne stratégie. Et c'est pour cela qu'il est important d'être accompagné. Euh, 4 et 1, 5 et 9, 14. Il y a l'idée de la tempérance. Donc, c'est faire des décisions de, de manière tempérée pour créer le changement. 41, 14. 14, 41, 41. Ça nous fait 5 et 9 qui est au-dessus, 14. Ça nous fait bien 14, 14, 14, 41. Il y a une heure miroir qui nous invite à la médiation, à la tempérance, à la conciliation, euh, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le partenariat professionnel. Il y a l'idée de prendre des décisions qui seront, vous voyez, le véritable avenir, 3 et 4, le véritable avenir. C'est tout simplement 3 et 4, 7. Quand on prend bien conscience de nos origines terrestres et célestes, quand on est en équilibre, on est dans la voie de l'éveil, on est dans la, dans la voie de l'éveil équilibré. Et donc, on crée son avenir. Le véritable avenir, c'est celui qui est émancipé de son inconscient, de ses blessures, de, de sa colère, de sa rancune, de, 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 de tout ça. Euh, c'est euh, des choix 7 et 7, 14, c'est faire des, prendre des décisions éclairées. Euh, voilà. Émancipé des mémoires akashiques, qu'on pourrait nous parler aussi de nos mémoires de notre enfance, qui des fois sont cachées à nous-mêmes, refoulées voilà, dans le, notre inconscient dans notre dans le Freud et et donc il y a l'idée quand même de, de de mémoire aussi de l'aligner les, les annales akashiques ça peut remonter jusqu'à l'arbre de vie donc il y a il y a l'idée de d'écrire quelque chose autour de cela, de verbaliser quelque chose autour de soi, par l'écriture, par, par la verbalisation, voilà, de, 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 de dévrouiller. Là, ça peut nous parler aussi de cervicales, parce que vous pouvez avoir des douleurs dans les cervicales, des douleurs à la gorge, euh, parce que des douleurs là, en fait, voyez, euh, parce qu'il y a eu des équilibres à la naissance et dans la lignée. Voilà. Donc, on va regarder le sentimental. Et puis, le euh, sentimental, je vais prendre... Euh, pour le sentimental euh, sont les cartes j'avais tout à l'heure les cartes de euh, elles sont là devant mes yeux ici et ben on vous dit qu'il est important de prendre soin de vous hein, pour faire justice pour rendre justice alors elle tombe elle tombe il ya le 2 par rapport à une union se protéger d'une union du passé se protéger son union actuelle euh, faire le bon choix d'une nouvelle union si on est célibataire, et tendre vers cette union qui est équilibrée. 3 et 4, 7. Il y a quand même 3 et 4, 7. Ça nous fait 7, 7, 7. Il y a plusieurs 7 dans ce tirage. Donc, en fait, la situation, si on la switch, en fait, on se met au triomphe. Il y a l'idée de jackpot. Il y a l'idée, quand même, euh, je vais le mettre pour les Capricornes. Il y a quand même l'idée de trouver un jackpot, là, euh, c'est-à-dire le jackpot triple 7. Quand vous l'entendez dans certaines guidances, soit on ne vous l'explique pas, c'est être autonome, indépendant, euh, en harmonie euh, par rapport à sa soeur familiale. Même si on a eu d'extrêmes ou grandes souffrances, il y a des gens qui ont énormément souffert et qui sont. Extrêmement éveillés et qui ont gardé le sourire et la joie dans le cœur et qui protègent les autres parce qu'en fait ils ont vécu des souffrances. Il y en a d'autres qui seront destructeurs et il y en a d'autres qui deviendront protecteurs. Le 7 a aussi un amour c'est l'éveil, l'émancipation, l'autonomie, l'indépendance. C'est sacré donc chacun fait sa vie. On n'est pas l'un sur l'autre, on n'est plus en dépendance affective par rapport parce qu'on a fait un travail de guérison. En enfin, fait. Le 7, c'est aussi euh, l'éveil des sept sens, l'éveil des, euh, des passions, euh, l'éveil euh, euh, de euh, l'harmonisation des chakras. Euh, donc, il y a tout un travail dans le 7 qui peut nous amener bah, à pratiquer du reiki, du sport, du karaté, de la musique, de la danse, de la botanique, de la cuisine, de tout, tout un tas de trucs qui font que les personnes ne sont pas en dépendance affective dans leurs relations. Elles sont multicolores, elles ont des de d'activités différentes, elles sont heureuses. Et fait que, du coup, oh, la rencontre. Elle est harmonieuse. On fait une rencontre forcément. On ne reste pas longtemps seul puisqu'on est en activité. On est actif. On est dans l'agir, dans l'action de soi en équité. Donc, on a dans l'amour. On agit, on a agi parce qu'on a vu le psychologue, on a agi parce qu'on a vu l'énergéticien, on a vu le cartomancien qui vous donne des conseils, qui ne vous fait pas de la divination, il vous accompagne à ça. Un bon cartomancien et un bon tarologue vous accompagnent à travailler sur ça et à avoir des clés voilà, sous le prisme des oracles et des tarots qui veulent bien dire quelque chose. Là, il y a quand même une clé à déverrouiller par rapport à blessure, à ce qu'il y a à guérir dans le ventre. Voilà, donc communiquer, il y a comme une fleur vous êtes la fleur il y a les blessures de l'avance et prendre des décisions aussi par rapport aux blessures du passé et voilà, donc 9 euh, prendre conscience euh, il y a l'idée de prendre conscience, l'étoile 8 et 9, ça nous fait 17, ça nous fait l'étoile donc il y a l'idée l'étoile nous dit porteur de vérité ou porteur de mensonge je choisis l'étoile qui ment ou je choisis l'étoile qui dit la vérité Deux. il y a l'idée d'une union ça peut être une nouvelle rencontre cette union, il y a un, vous avez un passé, l'autre, elle a un passé. Il faut qu'elle ait travaillé tout ça. Donc, si c'est le cas, c'est positif. Euh, dans le couple, si à un moment donné, euh, il n'y a qu'une personne qui se met en action et qui ne fait que travailler, ben, ça se finit généralement par une séparation. Maintenant, s'il y a de l'amour, la personne, elle vous aime, elle va faire en sorte d'aller voir un psychologue, un énergéticien, un etc. Ben, ouais, vous comprenez Donc, il y a l'idée de l'amour, il y a l'idée de guérir, il y a l'idée d'une protection, il y a l'idée d'un lien magnétique. Qui doit être protégé dans une communication, dont la communication c'est la clé. Donc on vous invite à la tempérance aussi dans la nouvelle rencontre. Il y a une personne qui est en train de guérir aussi là, de votre passé parce qu'elle est dans ça. Et c'est pas une personne. Si cette personne n'est pas dans, dans, dans l'état d'esprit, donc je suis en train de vous de défendre sur la chaîne, eh ben cette personne, euh, il faut la laisser faire son travail. Euh, euh, si elle est dans euh, dans la drogue, à l'excès, dans le, des comportements compulsifs et compagnie, la euh, euh, dirigé par ses pulsions basses, pulsions, c'est pas bon. Donc il faut travailler le lien. Pourquoi il y a des liens qui se font comme ça en travaillant sur vous, vous travaillez sur l'autre. Un effet miroir. Et donc, il y a l'idée d'une personne ouais, qui sort du temps, parce qu'elle était à l'envers, qui sort du temps, vous voyez, c'est la même, il y a une personne qui rentre dans le temps pour faire un travail sur elle de guérison. C'est avec, euh, avec euh, Anubis, hein, qui, qui est une renaissance, qui guérit de son passé, de son cycle précédent, et qui ressort. 9, le cœur ouvert. Donc il y a une nouvelle rencontre. Vous êtes prêt à la nouvelle rencontre. Il y a l'idée d'avoir une nouvelle rencontre quand même dans ce tirage. Quoi qu'il en soit, les cartes tombent. Ben, euh, voilà, ce n'est pas moi qui rentre les cartes. Elles tombent. 2, 2. C'est les premières cartes que je tire comme ça aussi. Il y a l'idée de faire une nouvelle rencontre. Il y a l'idée de travailler sur les peurs, là sur des blessures là de, 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 de ce couple. C'est oui ou c'est non. Donc, on chouette et on va à la nouvelle rencontre. Et il y a une personne qui a guéri aussi. Qui a l'air de. Euh, qui a attiré. En tout cas, il y a une personne qui a attiré à avoir envie de parler avec vous. Donc, il y a l'idée de, de se faire aussi de justice, un peu comme dans le tirage que j'ai fait pour les scorpions. Il y a peut-être des signes d'eau là, qui sont concernés. Et n'oubliez pas que le Capricorne, c'est aussi euh, le Cancer. Euh, après, il y a une période, euh, oui, il y a des bonnes nouvelles carrées, mais il y a, il y a, des, il y a eu des masques. Et donc, euh, ce, ces masques qui nous empêchent de, 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 de voir le véritable. Il y a l'idée de faire tomber le masque aussi. Euh, pour euh, tomber le masque pour voir le véritable avenir. Sinon, ben, elle revient. aussi. Donc là, on a un bon équilibre parce qu'on fait, on a fait ce 40, dont je vous parle, 4-4-4. L'idée de se réconcilier avec son passé pour faire les bons choix dans une union. Et donc, il y a une personne qui fait ce travail forcément, elle se met en guérison. Mais il y a une personne aussi qui porte un masque parce qu'elle a une blessure des choses de son passé, de son enfance ici. On l'a bien vu au départ. Euh, voilà. Donc il y a quand même l'idée d'une union, de sacraliser une union, de célébrer quelque chose. On finit par un 6 de feu. Il y a quand même des personnes qui sont dans cet état d'esprit qui vont célébrer une union ce mois-ci. Il y a peut-être quelqu'un qui fait une demande de mariage. Parce que en fait, elle considère que vous êtes une perle et vous acceptez cette proposition, cette réunion, cette union parce qu'en face de vous, vous avez une perle. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, d'éclairage à travers les cartes, les méditations, les chakras, la guidance sur les origines. Je vous, en... vous avez mon mail en dessous du descriptif de la vidéo. Et euh, on a euh, et puis voilà et puis je vous explique un peu tout ce que je propose de faire comme travail euh, énergétiquement parlant sous le prisme des oracles de la psychologie bien entendu de l'histoire des religions des chakras et ce genre de choses voilà les loulous je vous embrasse bien fort je vous dis à très vite et à très bientôt ciao ciao